aujourd'hui date importante avec la remise des chèques aux associations et présentation du team marathoniaque avec des personnalités, le maire, ben oui, des personnalités, maire de la Durande, donc Jean-Marc Perret, madame l'élue, l'adjointe Val-Saint-André, donc madame Muriel Hernandez, et le directeur du service des sports, donc Olivier Penin. En tout cas, ravi d'être aux côtés de SFP parce que c'est vraiment un club important, je le disais là en montant de la Durande, un club important d'Aix avec une vraie base, une vraie solidité de très très nombreux adhérents, je pense plus de 1000, je ne sais pas. Et moi je tenais non pas à parler au nom de la ville de mon ami Francis Solan qui je sais est très, très attaché à ce club, mais au nom du département pour vous dire que nous serons là avec toute l'énergie que l'on a et toute la volonté qu'a la présidente Martine Vassal de développer le sport pour vous aider et pour vous aider et continuer. Et j'attends avec impatience, vous avez parlé de ex en foulée, mais permettez-moi d'être 5 minutes nombriliste pour vous dire que j'attends avec impatience la nouvelle formule, en tout cas, de la course de l'Endurance que nous avions ensemble démarré tous ensemble et qui prend maintenant ses racines et puis son envol qui s'appellera cette année Arbois Durand. Et j'espère que le sera réussi, on sera là au rendez-vous. Merci à ce cher président, directeur des sports de la métropole, et ce cher président de Hervé et Anne surtout, d'être parmi nous. Voilà, moi j'ai tout dit. Je suis ravi d'être parmi vous. Voilà, et je conclurai en disant what else. J'adore ce club aussi parce que le loisir se mélange avec le haut niveau, un peu comme la BCA au vélo, et ça fait une mayonnaise magnifique. Et chacun a sa place, et chacun apporte à l'autre. Il y a le mélange des âges, le mélange des expériences, c'est tout ce que j'aime. Donc, et je suis très fière que ce club soit basé sur mon territoire, on va dire. Voilà, donc bravo à tous, bravo à l'équipe du marathon. Pour ces résultats, vous avez organisé il n'y a pas longtemps l'Assemblée Générale où on a vu tous les petits qui sont pleins de promesses et tout ça c'est beau, voilà, et c'est un exemple. Merci à tous. Bien, bien. Bon, un club c'est rien sans les bénévoles et sans un certain nombre de personnes qui pour un rond donnent toute leur énergie et ce club, bon, plus connu, il faisait 300-400 personnes. Il y a 10 ans, aujourd'hui il en fait 1500, bon c'est un peu pour ce que disait Muriel, à savoir ben, c'est un mélange de gens qui au lieu de se taper dessus se sont battus pour que chacun des secteurs, la performance d'abord, parce que sans performance on n'existe pas, et le loisir, pour que les gens soient contents de voir des gens performer, et puis voilà, bon, il y a 50% de femmes, 50% d'hommes, à peu parité, près. Parité, donc. Parité, mais c'est pas une obligation. Ouais, ça vient comme ça. Il y a peut-être un peu plus de vieux que de jeunes, mais bon, c'est la norme. Hein. Et les jeunes sont très performants. Que ce soit chez les jeunes, chez les seniors, ex-athlètes est à la pointe de toutes les activités, athlétisme de base, mais aussi hors stade, mais aussi marche nordique, mais aussi trail, puisque dans pas longtemps, on va avoir le trail de Mimé, qui est une référence dans le domaine, et c'est la section trail qui l'organise. On entend parler de performance, de réussite, il y a des visages connus, il y a des visages qu'on ne connaissait pas, donc enchanté. Voilà, on est vraiment ravis de vous accueillir sur cet événement. Présentation donc de ces deux associations qui ont été les deux points forts de ce rendez-vous solidaire. Nathalie et Laurent avaient une fille qui s'appelait Carla Marie. Carla Marie est partie parce qu'elle était malade, donc elle est partie. Et Nathalie, ben, elle a décidé en tant que maman avec Laurent ben, de créer une association pour accompagner ben, les parents qui auront à vivre cette terrible épreuve de la vie. D'avoir un enfant qui va partir et que dans ses derniers moments de vie, ben, alors que la mort va venir donner de la vie dans cette dernière période. Et ça, c'est le point rose, Nathalie. Merci beaucoup. C'est une personne avec qui je travaille qui nous a fait cette création à partir du logo d'Aix en foulée. Et donc, on a proposé aux enfants d'inscrire un peu comme sous la forme de tag leur prénom. Et on a inséré en bleu à l'envers
les prénoms des enfants partis trop tôt des familles qu'on suit. D'accord. Et le message pour moi est très fort parce que ces enfants se mêlent à la vie. Ils ne sont pas exclus de la vie. Ils ne sont pas avec les autres, mais malgré tout parmi eux. Et tous ceux qui ont couru ex-enfoulés, ben, ont peu couru pour leur mémoire et leur famille. Et c'est un grand réconfort. Donc, merci à tous. Donc, tout ce qui concerne l'intervention chirurgicale est payant et c'est ce que finance l'association. En fait, tout le reste, les familles d'accueil sont bénévoles, on a des praticiens qui voient les enfants avant les opérations, après, etc., des cardiopédiatres, ils le font bénévolement. Par contre, à l'hôpital, l'intervention chirurgicale, elle est payante, elle est très onéreuse parce que c'est de la chirurgie de pointe. Nous, on n'opère que des enfants qui ont des malformations cardiaques. Donc à cœur ouvert toujours, et on estime qu'une opération coûte 12 000 euros en moyenne. Donc c'est pour financer ces opérations que nous avons besoin d'argent. Et en fait, une association, elle n'est rien sans ses bénévoles, mais notre association, elle est surtout rien sans ses donateurs. Puisque si on n'avait pas des gens pour nous aider, pour nous apporter des financements, eh bien on ne pourrait pas opérer tous ces enfants. Donc on a tous besoin les uns des autres en fait. Hein. On ne peut pas fonctionner tout seul. Et c'est ça qui est bien dans une association, c'est qu'on partage et qu'on se donne les uns aux autres. Chaque fois qu'on opère un enfant, on se dit que sans ces donateurs, sans ces personnes-là, ben, ces enfants, chez eux, vont mourir. Et grâce à l'intervention donc, des bénévoles, de mécénat, grâce à tous les donateurs, cela nous permet de renvoyer des enfants qui vont vivre guéris chez eux, parce qu'il faut savoir qu'une malformation cardiaque, ce n'est pas une maladie. Sans les opérer, ces enfants meurent. En les opérant, on leur donne encore un espoir de vie. Remise des chèques de manière officielle par le président de Aix-Provence au Point Rose et après à Mécénat chirurgical. Merci. Bravo. Le club vit un événement exceptionnel parce que quand on est champion de France de marathon, quand on a en son sein le deuxième meilleur français au marathon de Paris qui va nous rejoindre maintenant, Nicolas Navarro, je vous demande d'applaudir. 2h15. Quand on a une équipe extraordinaire au sein du club qui s'appelle la Team. Elle s'est donné un nom qui lui va très très bien. Ce nom, la Team Marathoniac, à l'intérieur il y a des filles et des garçons qui sont des personnes mais vraiment exceptionnelles parce qu'elles vivent une passion, mais au-delà, elles font briller le club dans toutes les courses. Je suis très heureux d'en être arrivé à ce niveau, au niveau national, parce que c'était pas gagné, il y avait de la concurrence. Sur marathon, il y en a peut-être un peu moins que sur les distances plus courtes, mais on sent un renouveau du marathon et on est en train de surfer sur cette vague. Donc ça va être de plus en plus compliqué, mais avec de l'accompagnement, avec des sportifs toujours motivés, on va réussir à se maintenir à ce niveau. Donc merci au club pour l'aide et on espère que ça va encore monter en puissance. Bien sûr.